En fait, en discutant avec le professeur Éric Andelaret, il nous a présenté le projet Polytech Green. C'est un projet qui rallie 11 polytechs du réseau Polytech en France. Donc, en fait, le projet Polytech Green, en fait, c'est un projet qui a fait une demande Erasmus+. Donc, ce sont du financement offert aux étudiants et étudiantes pour de la mobilité durable. Donc, comment être éco-responsable quand on va étudier à l'international. Autre truc aussi qu'on souhaite, en lien notamment avec Polytech Green, c'est que les étudiants qui vont recevoir une bourse pour faire de la mobilité durable puissent continuer à avoir un comportement éco-responsable au Québec. Plusieurs étudiants et étudiantes français qui viennent au Québec veulent aller au Rocher Percé, à Niagara Falls, mais c'est beaucoup, beaucoup de déplacements. Le Québec, c'est très grand. Donc, juste d'avoir le souci que leur comportement reste éco-responsable une fois qu'ils sont au Québec, bien, je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, qui fais beaucoup de vélo, je me suis dit, comment la Faculté des sciences pourrait être inspirée par ce projet vraiment génial de rendre les mobilités à l'international carboneutres le maximum possible? Je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas la tournée des polytechs à vélo? Nous, Armand et moi, notre travail, c'est de développer des projets, développer des collaborations avec des universités en France. Donc, souvent, on a à se déplacer. Je me suis dit, comment notre déplacement pourrait être carboneutre et comment on pourrait inspirer les gens? Comment le vélo pourrait devenir le moteur, en fait, de notre projet? Oui, ici, pour faire rayonner la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke, mais nous, on est aussi ici pour présenter les programmes en technologie de l'information de la Faculté des sciences, car au Québec, il y a un manque criant de main-d'œuvre en TI. Donc, on vient présenter les programmes de la Faculté des sciences, mais également la Faculté de génie. Et puis, il y a une préparation physique, parce que il y a 5 mois, je ne faisais pas de vélo. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'appui d'un prof de la Faculté d'éducation sportive à Sherbrooke, la FASAP. Donc, c'est Pierre Boulet, que je remercie, parce qu'il m'a fait un entraînement super. Et également une préparation peut-être mentale qui n'est pas si évidente que ça. Parce que se mettre sur le vélo tous les jours à faire presque une centaine de kilomètres de moyenne, pas toujours évident. Donc ça, c'est, je dirais, une préparation à faire. En fait, le mental, c'est quand on attaque vraiment sur la route et de voir qu'il faut pédaler tous les jours, se remettre en selle, eh bien, on l'acquiert presque petit à petit. Mais avec tout l'engouement qu'il y a derrière, à l'accueil, etc., puis le soutien qu'on a de nos proches, ça, c'est génial. Au niveau de la logistique, eh bien, j'ai eu beaucoup d'échanges avec différents directeurs des relations internationales des polytechs. En fait, on visite 8 polytechs sur 11 qui font partie du programme Polytech Green. Quand on a ciblé les 8 polytechs, bien, on a tracé notre trajet, en fait, là, pour se rendre à Montpellier. Donc, oui, ça a été quelques mois de préparation, calculer le nombre de kilomètres qu'on avait à faire selon le dénivelé. C'est sûr que si on a beaucoup de montées, on ne préparait pas des journées à 100 km, par exemple. Le développement durable, ça fait partie des valeurs premières de l'Université de Sherbrooke. Donc, de véhiculer tout ça, d'aller à la rencontre des gens. Ce qui est le plus merveilleux dans ce projet-ci, c'est vraiment les rencontres que l'on fait. On est très, très bien accueillis par chaque polytech. Les étudiants, en fait, qu'on rencontre, les gens qui travaillent pour les relations internationales. Je voudrais remercier tout d'abord la Faculté des sciences, l'Université de Sherbrooke, le Consulat général de France, en particulier Stéphanie Legoupy qui a adoré ce projet, et tous les polytechs. Vraiment, Éric Anglaret qui s'est mis dedans, qui nous a vraiment fortement appuyés, qui a su rassembler, promouvoir ce projet. Et vous voyez, c'est la somme de tout ça qui a fait que c'est un projet génial. Alors, en tout cas, on sent l'engouement. On a été supporté aussi par le Consulat général de France au Québec. Donc, on remercie grandement professeur Legoupy, la déléguée générale scientifique. On est très fiers de représenter l'Université de Sherbrooke et merci au réseau Polytech, vraiment. Avec le réseau Polytech, donc, si on a à sortir, en fait, un seul mot de ce projet-là, c'est vraiment la rencontre des gens. Mais on dit toujours les relations internationales, le mot « relation » a vraiment
une place importante. Et bien, dans ce projet-ci, ça va au-delà de ça. Donc, on a rencontré vraiment de belles personnes.